réfléchissez dans une semaine. Maccabé, donc Jeff, il arrive en inspecteur Gadget. Logique. Bon. Depuis quand t'es inspecteur? Excuse-moi chérie. Depuis que j'ai eu mon concours sur internet. Ça a été pas facile. Oh putain mon dieu. C'est quoi, c'est la prof ou un Picasso? C'est la prof. C'est pas beau à voir. Véritablement, c'est... Mon dieu. Je regretterai cette prof toute ma vie. C'est... Être flic, c'est vraiment un putain de métier. C'est pas simple tous les jours. Donc je suis désolé de ce qui va se passer. D'accord? Ne prenez pas pour vous. Vous êtes sympa. Vous êtes tranquille. Vous vous levez? On va commencer par vous, Pauline. N'est-ce pas? Alors, racontez-moi votre matinée. Bah, j'ai fait comme tous les matins. Bah, je me suis réveillée et... C'est dur. Très, très dur. Je comprends. Ouais, mais bon, ça va, hein. J'ai mes bonnets et mes Pikachu pour vous soutenir. Parce que bon, à 6h30, j'ai pas vraiment la tête à ça. Enfin, bref. Après, je suis descendue me laver. Des trucs banals, pour les personnes qui sont banales, chaque jour. Vous représentez la banalité en somme. Ouais, ouais. Bon, par contre, après, j'ai fait LA chose essentielle du matin. Mon moment maquillage, coiffure et lissage. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, j'ai mis mes chaussures et je suis partie en retard. J'ai loupé mon premier train, mais j'ai pris le deuxième. Mesdames, messieurs, dans quelques instants, notre train entrera en gare du Havre. Et je suis arrivée. Enfin voilà, comme d'hab quoi. Des poneys. Bon, arrêtez de bouger vos mains là, j'ai l'impression que vous êtes stressé, ça me dérange. Vous êtes une chieuse? Non. Si, quand même un peu. Hein. Bon, racontez-moi votre paninée là, y'a pas que ça à foutre non plus. J'ai envie de dire comme d'habitude. Mon réveil a sonné à 7h. Je me suis levée un peu plus lentement que d'habitude, j'avais la flemme de me lever, c'est clair. Et ensuite, bah, j'ai mis mon pas de pyjama pour aller manger le truc de ma mère. Enfin, bref, pas super intéressant. Puis je suis partie vers 7h40, pile à l'heure pour avoir le tram. Pour une fois, c'est pas moi qui cours. Encore serré. Garde. Comme des serpents, j'en ai. Ah.
Mais ça va, j'ai pu sortir facilement. Passionnant, n'est-ce pas? Bon, allez, dégagez. Au suivant. Et vous, voilà. Qu'est-ce que vous avez à raconter de votre matinée, mademoiselle? Bah, je fais comme d'habitude. Je me suis réveillée à 7h, bah, parce qu'il fallait que j'aille en cours, même si je n'étais pas très motivée, vu qu'on n'avait toujours pas de film, quoi. Mais c'est pas moi qui ai tué la prof, hein. Mais j'avais dit que c'était vous qui l'aviez tué. Ensuite, j'ai été dans ma salle de bain, me laver, m'habiller, bah, comme d'habitude, je me suis coiffée, je me suis lavée les dents. Bah, j'ai été préparer mon petit déjeuner avec mon micro-ondes trop bruyant. Et comme j'étais pas réveillée, bah, j'ai failli faire tomber mon col. Bravo. Et puis bah, après, je suis partie chez moi parce que bah, c'était là. Puis bah voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mademoiselle, vous êtes psychorigide, sachez-le. Vous êtes vraiment flippant. Bon, maintenant on va réunir tout le monde, hein. Putain, j'ai bien interrogé, mais c'est vraiment impossible. C'est personne, hein. Bon, alors, en vue des preuves, on a été réussi à trouver qui était le coupable. Tu t'es rendu compte que c'était aucune d'entre nous. Comme ça, entre vous, on peut être déduction. Je vous avais que j'aurais bien apprécié. Parce que chacune d'entre vous, vous êtes originale et je vous adore. Mais là, pour le coup, j'avais envie. J'ai envie de vous dire qu'il faut faire respecter la justice. Pauline, je suis désolée. Non, c'est quoi là? Non, c'est tu fais quoi là? C'est pas elle. Tu fais quoi là? Arrêtez, arrêtez, c'est elle. C'est je pas le sais elle. Pas. Arrêtez, calmez-vous. Vous serez retenu pour outrage. Ah bah c'est pas trop tôt, je peux enfin récupérer ça moi.